répertoire de ce soir qui dure à peu près un set, hein, ce qu'on va appeler un set, c'est un répertoire composé d'œuvres originales, de morceaux originaux, composés par les quatre personnes qui sont en face de vous. Donc, soit des morceaux de Ali, des morceaux de Hamza, des morceaux de moi-même Hassan, ou de notre pianiste et ami Nourdine Baha, dont l'apport a été extrêmement important ces dernières années, hein, depuis, je dirais moi, depuis 2013, hein, voilà, c'est en même temps, ça reste du jazz, puisqu'on retrouve les fondamentaux du jazz, l'improvisation sur souvent des grilles harmoniques qui sont consistantes, l'harmonie dans le jazz est importante, mais en même temps, les références à la musique marocaine sont très nombreuses. Elles peuvent être rythmiques. Par exemple, le gnawa, c'est reconnaissable à son rythme, mais aussi à la gamme, les deux gammes pentatoniques qui sont utilisées dans la musique gnawa. Et c'est la même chose, par exemple, pour un rythme haïdos ou pour de la musique andalouse. Si on s'inspire mélodiquement de la musique andalouse, les référents, ils sont puissants. Voilà, souvent. Alors, et bien sûr, c'est comme la lecture. Il faut lire entre les lignes et là, il faut écouter entre les sons, sans vouloir taper sur ce qui est programmé dans notre beau pays. Donc, il y a pas mal de festivals, mais la porte n'est pas toujours ouverte ou, à défaut, entrouverte aux artistes locaux. C'est deux poids, deux mesures, hein, sur tout le plan, au plan des cachets, au plan de. Voilà. Et donc, moi, j'aimerais remercier le Jazz à Blanca parce que cette année, il a ouvert cette porte-là dans laquelle on s'est rapidement engouffré. Retour, peut-être, bon, on est très discret de nature. Donc, mais là, il y a une annonce de festival pour de la musique originale, en particulier la musique improvisée. Donc, on a sauté sur l'occasion, on a présenté notre candidature qui a été acceptée très rapidement, et on est très content d'être là, de pouvoir jouer notre musique, d'exprimer nos sentiments en tant que Marocains, dans tout ce qu'il y a dans le Marocain comme mélange. Improviser, et c'est pas un exercice facile parce que improviser, on improvise à l'intérieur d'un cadre. Hein, c'est comme un artiste peintre. Il a un cadre. Si on demande à deux artistes peintres de faire un paysage, ce sera totalement différent. Je pense que le jazz reste une musique d'initié partout dans le monde entier, même aux États-Unis. Ça reste une minorité de gens qui écoutent cette musique. Et d'ailleurs, preuve en est, c'est que beaucoup de musiciens américains en profitent pour aller jouer dans les festivals, notamment en Europe et ailleurs au Japon. Maintenant, on peut même inclure la Chine, etc. Les musiciens se déplacent parce qu'ils trouvent d'autres audiences. Donc, finalement, au Maroc, c'est pareil. Il y a quelques personnes qui s'intéressent au jazz, mais ça reste une toute petite minorité. La plupart des gens écoutent la musique. Des grandes ondes, la musique qui est matraquée par bon, bien que maintenant avec Internet ça a changé, mais les grandes compagnies de disques, etc. Voilà, d'ailleurs, c'est des chansons ou des hits qui ne durent pas longtemps. Au bout de 2-3 ans, elles ont disparu, on ne les écoute pas. Alors qu'un amateur de jazz va écouter les derniers artistes de jazz, ceux qui viennent d'arriver, comme il peut réécouter un vieil album de Louis Armstrong ou de Duke Ellington. On est plus un peu dans l'aspect de l'écoute, comme dans la musique classique. Bon, avec Hamza, on s'est rencontrés en 2009. Et je crois qu'en 2012, 2012-2013, ben j'ai commencé à bosser avec un frère suisse. Avec Nabila, c'est en 2014. Voilà. Et c'est à travers le frère suisse que Nabila m'a découvert. Voilà, on avait joué au Pitré, ben c'est ça. Donc c'est à travers ça, bon, c'est une autre histoire. Et puis à chaque fois j'envoyais des emails à Ali, à Hassan, tenez, voilà, j'ai composé ça. Et donc, eux, ils appréciaient mon travail. Donc, on a fait pas mal de répétitions donc à l'école de faire suisse. Puis après, au fur et à mesure, on a essayé de s'adapter au répertoire. Donc, comment dire. Bon,
peut-être j'ai apporté chouïa de d'harmonie machin, mais déjà avec eux j'ai beaucoup appris quoi. Donc, parce que en fait jouer du jazz en trio ou bien chez soi, c'est pas jouer en groupe. En groupe tu apprends beaucoup de choses.